déjà beaucoup écrit sur les femmes et leurs défauts. Je vais en remettre une couche, tant pis. Mon mariage est un fiasco. Avant la cérémonie, je ne connaissais pas ma femme. Pour résumer toute sa vie, ce n'est que drame et mélodrame. Mais je reste zen, même si elle me fout la haine. Je ne piquerai pas une colère pour ça. Franchement, ce serait idiot. De toute façon, je m'aime beaucoup trop pour me mettre hors de moi. C'est une femme très exigeante. Chaque fois que nous faisons l'amour, elle veut que je la contente. À la fin, ça devient lourd. Elle veut toujours me parler de son job et partager ses galères et ses corvées. Ça commence à m'énerver. Mais je reste zen, même si elle me fout la haine. Je ne piquerai pas une colère pour ça. Franchement, ce serait idiot. De toute façon, je m'aime beaucoup trop pour me mettre hors de moi. Elle menace de me quitter parce qu'elle s'est sentie trahie. Tout ça parce que je l'ai trompée avec sa meilleure amie. J'entends parler de divorce, de chantage et d'avocat. J'ai droit à tous les reproches. Les torts sont tous pour moi. Mais je reste zen, même si elle me fout la haine. Je ne piquerai pas une colère pour ça. Franchement, ce serait idiot. De toute façon, elle m'aime beaucoup trop pour me quitter pour ça.